Hello World, c'est Golden et bienvenue pour cette vidéo très particulière puisque comme vous le savez, on a déjà eu l'obtention possible de la cape de TikTok mais aussi la cape de Twitch. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore obtenu ni l'une ni l'autre, je vous mets dans la description deux liens qui vont vous rediriger vers deux précédentes vidéos à moi qui vous montrent étape par étape comment les obtenir. D'ailleurs, je fais une petite précision aussi, pour celle de TikTok, il s'avère qu'en fait, ils ont fait une présélection de certaines personnes qui peuvent l'obtenir. Mais il y a aussi un bug dans certaines régions dont la France est touchée malheureusement, donc on peut pas vraiment l'obtenir. Donc je vais vous mettre aussi un lien pour aller voir une personne très spécifique, streamer anglais, qui va streamer de temps en temps, donc pas tout le temps, donc essayez d'y aller rapidement lorsqu'il stream. C'est RailToyCat, qui est un streamer et youtubeur anglophone et qui, pour lui ça marche. Donc en tout cas moi je l'ai obtenu, je sais qu'il y a Pierre aussi et d'autres également, donc profitez-en dès qu'il stream, foncez récupérer votre cap TikTok. Bref, aujourd'hui est un jour extrêmement particulier puisque nous fêtons un anniversaire et pas des moindres. Messieurs, dames, je vous présente le 15e anniversaire de Minecraft et à cette occasion, on va pouvoir obtenir la 3e et ultime cape de ce fameux anniversaire. Si ce n'est pas encore déjà fait, je vous invite à venir vous abonner, comme ça vous serez représenté dans un bloc Minecraft sur une structure de 100 000 blocs au total qui me permettra d'atteindre le fameux trophée des 100 000 abonnés de YouTube. Comme d'habitude, je vous mets un lien dans la description pour pouvoir directement accéder à la page souhaitée. C'est celle-ci qui nous intéresse, il faudra probablement descendre un petit peu et il ne faut pas être connecté, ça c'est vraiment l'erreur que tout le monde fait, il ne faut pas se connecter tout d'abord. Donc déconnectez-vous si vous l'êtes. Puis ensuite, il suffit simplement de tomber sur la petite page qu'il y a là avec la cape à gauche, procurez-vous la cape du 15e anniversaire, c'est ce que je souhaite et je vais donc m'identifier pour la réclamer. Ça nous change de page avec cette jolie petite abeille, on fait se connecter avec Microsoft. Une fois que vous avez mis votre adresse email ainsi que votre code d'identification ou votre mot de passe en fonction de la sécurité que vous avez souhaité mettre, vous pouvez maintenant cliquer sur réclamer la cape. Minecraft vous permet de jouer comme vous l'entendez, qu'il s'agisse d'exprimer votre créativité ou de lutter contre les creepers pour poursuivre la nuit. Et cette fois-ci, je veux maintenant porter ma cape. Comme d'habitude, les capes Minecraft peuvent mettre un petit peu de temps à arriver, il s'agira probablement de quelques minutes. Si vous avez vraiment pas de bol, ce sera quelques heures. Je voulais en profiter pendant que c'est en train de charger pour vous montrer que ici, vous pouvez récupérer pour Minecraft Bedrock tous les jours des petits cadeaux et c'est tous les jours à 19h. Alors après, je ne sais pas si on peut récupérer sur les événements qui sont passés. Certains me disent que oui, d'autres que non. Donc essayez de le faire si vous le pouvez, bien évidemment. Je vais commencer par Minecraft Bedrock. Il va falloir pour cela lancer le jeu. Vous êtes sur Minecraft Bedrock. Je vous invite à aller sous votre personnage dans la catégorie vestiaire. Ensuite, d'aller à gauche sur le petit bouton rouge qui se trouve juste ici. Et enfin, il suffit de sélectionner la cape que vous souhaitez. Puis de marquer équiper. Et voici comment on l'a du coup sur Bedrock. Ne vous inquiétez pas, pour les joueurs Java, j'arrive, je vous montre comment on fait. Sélectionnez Minecraft Java qui se trouve tout en haut. Une fois que ceci est fait, vous cliquez maintenant sur Skin. Vous sélectionnez le skin que vous souhaitez modifier ou alors vous l'ajoutez directement. Pour ma part, je vais modifier. Et il suffit tout simplement d'équiper la cape que vous souhaitez. Cette fois-ci, je vais choisir le 15e anniversaire. N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer et Utiliser. Notez d'ailleurs que contrairement aux capes de TikTok et celles de Twitch, pour la cape des 15e anniversaire, on peut l'avoir sur Java tout de suite. On n'est pas obligé d'attendre la limite qui est normalement du 8 juillet. D'ailleurs, voici à quoi elle ressemble en version Elytra et quand je me accroupis. D'ailleurs, c'est des Elytra qui sont très spéciales puisque contrairement à toutes les autres, normalement elles sont arrondies au niveau de l'aile, alors que là, c'est plutôt un petit peu déchiré, on va dire, ce qui est une première. Si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aller aussi sur le site Minestrator pour avoir 10% sur votre serveur Minecraft. Allez, tchuss!